Oh merde! Bah franchement parfait ce clavier. Bon les mecs, la prochaine vidéo unboxing, je pense qu'elle sera en facecam, mais là je suis vraiment, pas prêt pour faire une facecam en unboxing. Je suis vraiment mort. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On va se dire à 2500 likes sur cette vidéo, je fais un unboxing en facecam et je prendrai cette habitude de faire des unboxings en facecam parce que je trouve ça cool. Et voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et aussi, juste avant de faire cette vidéo, les mecs, ce clavier, je l'ai acheté avec tout simplement mon argent. Donc voilà. Ouais, ma stune. Ouais, oui, oui. Je me suis fait beaucoup d'argent pour cette OP si vous voulez tout savoir. Et pendant que vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus court dans l'histoire? Je sais pas. Ta gueule. Ça vient de ma poche. Donc voilà, je le ferai gagner, je pense. Donc pour que je le fasse gagner dans une prochaine vidéo, je vous demanderai tout simplement de me motiver dans les commentaires. Et restez bien jusqu'à la fin les amis, parce que vous aurez des petites révélations. Donc restez bien jusqu'à la fin les amis, c'est important. Et en tout cas, on va commencer à unbox ce colis. Et puis c'est parti les amis. Hep hep hep. Abonne-toi. Et je veux que tu le fasses maintenant. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, je t'invite simplement à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Bientôt les 100 000. Abonnez-vous tous. Bon voilà les mecs, je pense que là en fait je suis assez bien pour faire une facecam. Enfin je vais essayer de tester un petit peu au début. Puis dans le milieu de la vidéo, bah tout simplement je m'arrêterai. En tout cas voilà, voici le colis. Ça fait pas partie du décor. Enfin du colis je veux dire. Ok, donc le casque à la con. Hop, voilà. Donc on a reçu ça, j'ai reçu ça les amis. Je l'ai commandé sur tout simplement internet, sur Amazon. Il y a un abonné qui m'a dit AGX, regarde ça un petit peu, genre c'est un clavier au switch bleu à tout simplement 30 euros. Et c'est vrai. Donc je vais tout vous expliquer, mais juste avant je vais un peu régler la luminosité parce que là c'est pas foufou vraiment. Ok, là c'est déjà mieux. Bon voilà les amis, je vous présente un petit peu le packaging. Alors un truc à savoir sur le packaging, c'est que je l'ai reçu comme ça, il n'y avait pas de boîte Amazon. Je l'ai reçu complètement comme ça avec une étiquette avec mon adresse ici, comme vous recevez sur un colis Amazon. Je crois même qu'elle était derrière, voilà. Vous avez aussi ça sur les colis Amazon de base. Et voilà, je l'ai reçu comme ça. Voilà, c'est un clavier AZERTY mécanique à 30 euros, c'est fou. Donc j'aimerais bien voir ce qui se cache derrière le prix. En tout cas voilà les amis, je pense qu'on va arrêter la facecam, je pense, parce que j'ai vraiment une sacrée tête aujourd'hui. Et puis voilà, on va passer à une autre POV les amis. Ok, et bien re, donc voilà, on va l'ouvrir et on peut voir déjà que les touches, en regardant simplement le packaging, sont un peu bizarres. Elles sont pas comme ces touches là-bas en fait, elles sont pas épaisses, elles sont assez plates. Et j'aimerais bien voir comment ça réagit en fait, quel bruit fait le switch bleu et tout. Ça va être assez intéressant, sachant qu'il coûte 30 balles. Donc voilà, c'est parti les amis. Du coup j'en aurai pas besoin, il sera sans doute à gagner dans la prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, s'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et tout, enfin si vous êtes chaud en fait pour que je l'ouvre. Par contre je sais pas ce que je suis en train de faire là. Bon, bougez pas, ok. Hop. Et de 1 et de 2. J'ai évité de le casser parce que globalement, si je le donne à un abonné et que je le casse, ça va pas être fou. Ok, on met le petit papier ici. Et tout simplement, les amis, on va l'ouvrir. Alors, le packaging est assez simple, on va dire. Hein. Franchement, il est pas foufou. Mais voilà, je pense qu'il nous intéresse le plus, c'est pas le packaging, c'est l'intérieur. Ils nous l'ont bien fait comprendre en nous l'envoyant tout simplement sans colis Amazon. Directement, comme ça. Hop. Et attention, les amis. Ok, voilà. On a le petit film plastique qui cache le clavier. Et on a... Ok, donc ça c'est le repose-poignet qui a l'air assez plastique quoi. Pas très résistant. Et ensuite on a... Non c'est bon, c'est pas cassé, ok. Ouais vous inquiétez pas, au pire les abonnés... Ah, oh je me suis fait un... Oh merde. Oh shit, putain. Ah les bâtards. Oh j'ai le seum, bon je vais expliquer pourquoi. Ah je galère un petit peu là. Hein, honnêtement... Voilà le clavier, ensuite on a tout ce qu'il faut. Alors, dans un premier temps les amis, voici un petit peu bah, comment il est foutu. Et je vous ai dit les touches sont comme ça. Voilà, vous pouvez bien voir un petit peu ce que je voulais dire. Elles sont assez fines les touches. Elles sont vraiment assez fines. Et bah en fait j'ai eu le seum en appuyant sur les touches. Je vais vous expliquer pourquoi les amis. Parce que tout simplement ils avaient marqué switch bleu. Et pour moi switch bleu ce sont vraiment des switches qui font du bruit. Vous savez des switches qui vraiment font du bruit. Des fois c'est chiant mais voilà ça fait vraiment du bruit. Et là j'ai plus l'impression d'avoir un switch rouge entre les mains. Juste en ayant appuyé quelques fois dessus. Voilà j'essaie de faire un bon travelling là. Franchement parfait. En tout cas, bah déjà, il est pas assez super élevé, on va dire. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement... Voilà, il y a ça, donc ça, c'est bien. 30 balles, les amis. Vraiment 30 balles, pas plus, pas moins. 29,99 pour être précis. Livraison offerte. Et voilà, si vous avez des idées d'unboxing à faire, par exemple, je sais pas, moi, unbox des... je sais pas des gels magiques, mais des objets satisfaisants ou des trucs comme ça. Franchement, dites-le moi, parce que franchement, je voudrais bien en faire. Enfin, changer un petit peu. Et voilà. Vas-y, on va pas faire un truc esthétique ou quoi. On va directement le brancher. Ok,
Donc là il y a un point positif, c'est que bah il a un beau rétroéclairage, même si c'est que bleu en fait. Ah bah visiblement il est bien rétroéclairé dans les touches mais pas en dessous. J'ai cru que ça allait laisser passer la lumière et tout, mais non ça va. Bon point positif c'est que c'est assez costaud on va dire. Ça c'est pas du plastique. Je sais pas si c'est vraiment du métal, mais voilà, c'est assez dur et tout, c'est cool. Ensuite j'ai vu un truc, c'est que les touches s'enlevaient vite. J'ai juste fait ça, regardez, ça s'enlève. Ah ok, j'avais déjà vu sur le clavier vert que j'unbox il y a pas longtemps les amis, la lumière était comme ça, c'était une toute petite ampoule, qui éclaire juste la touche. Bon écoutez, moi personnellement je prête pas trop attention au RGB en fait des claviers, donc ça va pas trop être dérangeant. On va tout simplement tester le bruit, et le bruit en fait il m'a surpris parce que je me suis dit ça va être un bruit ultra genre assez chiant limite, vraiment un truc qui fait beaucoup de bruit, et au final presque pas. Bon après c'est un style, c'est un style de clavier, c'est on aime ou on aime pas. Il est différent des autres que j'ai unbox jusqu'à maintenant, et on va tout simplement faire un petit test d'écriture. Ok, donc je vais écrire sur le petit encadré Windows, donc c'est parti, je vais écrire un petit peu. Bon, je pense que vous avez entendu le bruit. Aussi un petit truc positif, c'est que pour 30€ vous avez quand même le pavé numérique sur le côté. Et clairement on va faire une petite comparaison. Vous voyez le Klim Chroma qui prend assez cher dans mes vidéos, donc c'est à dire le clavier waterproof. C'est le même prix et franchement celui là il est vraiment plus résistant et tout. Donc voilà, une petite comparaison. Imaginons un mec qui a 30€ pour acheter un clavier. Clairement celui là il serait sympathique on va dire, voilà il serait très sympathique pour lui avec un budget assez restreint, et ça c'est super cool les amis. On a entendu un petit peu le bruit, je pense qu'on va les jouer ensuite. Ouais je pense que c'est tous les trucs de base je crois, je suis pas sûr. Bon voilà. Bon ça, ah non en fait ça va, j'ai cru que ça allait faire très plastique mais non ça va clairement. Je pense que les amis là on n'est pas à plaindre pour 30€, ça va, ça passe vraiment très crème. Franchement. Ok les mecs, donc je me suis mis en facecam pour jouer en l'occurrence. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Écoutez, on va se mettre en facecam et on va tester un petit peu le clavier. Je sais pas si l'éclairage est bon, il faudrait que je me rachète un petit peu du matos. Alors on va tester le clavier, voilà il est positionné. J'ai galéré pour pouvoir le poser les mecs. Normalement vous avez une vision assez bonne. Heureusement que j'ai deux cams. Putain. Mais putain. Mais. Oh putain, y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Rien qui va, c'est dingue. On dirait mes doigts ils sont verts. Non mais c'est vraiment, c'est fou hein, c'est dingue hein, vraiment. Bon allez les amis, je pense que là c'est bon, on s'est mis bien. Donc voilà les amis, j'ai lancé une map, même si à date c'est pas grave, je préfère faire celle-là que la nouvelle. Là j'ai l'impression que les touches sont un peu difficiles, je sais pas, à appuyer, je sais pas, on... Ouais franchement c'est un peu galère je trouve, enfin je sais pas. Bah comme un switch rouge on va dire. Après 30 balles hein, faut quand même se dire que c'est 30€, ouais. J'ai vraiment l'impression de galérer là. Après voilà, c'est vraiment une grande différence par rapport à un clavier à 150 balles quoi, je veux dire. Bon, dans l'ensemble, voilà quoi, c'est pas difficile non plus. Juste appuyer sur F. Bon, je vous avouerai, je galère quand même un peu. Franchement, c'est jouable, c'est jouable. Ok donc les mecs, je vais lancer une petite game. On va essayer de jouer. Si je meurs, c'est pas grave. Mais en tout cas, on pourra un petit peu tester le clavier. Ok. Bah franchement parfait ce clavier. J'ai plus de build. Non. What the fuck. Ouais je vous avouerai les mecs, là c'est vraiment de la chance hein. Voilà j'en étais sûr. C'est trop stressant vraiment, c'est un jeu de fils. Bon voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le lien pour acheter le clavier est dans la description, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce qu'on est presque aux 100 000 abonnés les mecs, il reste vraiment pas beaucoup d'abonnés, avant les 100 000 j'aimerais vraiment qu'on les atteigne, donc les mecs n'hésitez vraiment pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, je vous invite tous maintenant à regarder si vous n'êtes pas déjà abonnés, et si c'est pas déjà fait je vous invite vraiment à vous abonner, vous êtes tous les bienvenus les mecs, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était GX, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sur ce portez-vous bien les mecs.